l'action de votre prédécesseur, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et le félicite pour le dévouement et la compétence avec laquelle il a rempli son mandat. À son actif, on peut notamment citer le pilotage de la réforme de la Commission, ainsi que son initiative pour assurer l'autonomie financière de notre organisation. Permettez-moi enfin de rendre un vibrant hommage à M. Moussa Faki, président de la Commission africaine, pour les efforts louables et inlassables qu'il ne cesse d'entreprendre pour défendre et promouvoir les objectifs et principes de l'acte constitutif de l'Union africaine. La République démocratique du Congo tient à réaffirmer son engagement, à l'accompagner dans la dynamique qu'il entend poursuivre pour la bonne marche de notre organisation continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est un fait que la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui devant vous dans un contexte particulier qui devrait, j'en suis persuadé, honorer toute l'Afrique. Ce contexte, issu des élections qui ont eu lieu le 30 décembre 2018, consacre la toute première alternance démocratique et pacifique du pouvoir depuis notre indépendance, et ce, dans le respect de la Constitution. Cette passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le dirigeant du plus ancien parti d'opposition a démenti tous les pronostics du chaos annoncés à l'issue de ces élections. Elle est la preuve de la maturité politique de notre peuple. À travers tout le pays, cette prouesse démocratique a été largement saluée par nos populations qui n'aspirent qu'à la paix. C'est donc avec un sens très élevé des responsabilités et conscient de la portée historique de cet événement pour le peuple de mon pays, patrie de Patrice Emery Lumumba, que je me présente devant vous. Ce passage de témoin augure également une nouvelle ère où, sur la base de cet acquis démocratique, il nous faut sans relâche ni répit consolider davantage la paix et la sécurité, combattre les antivaleurs, construire un état de droit, renforcer la politique de bon voisinage et le règlement pacifique des différends, neutraliser la nébuleuse des groupes armés qui massacrent et sèment la mort et la désolation dans certaines contrées du pays, tout particulièrement à Beni et à Butembo dans le nord-est. Notre pays a tant souffert depuis qu'il est Congo. Les guerres meurtrières que nous avons vécues devraient interpeller toute l'Afrique et la conscience internationale afin de ne point favoriser ni sponsoriser toute tentative susceptible de faire revivre au peuple congolais les mêmes atrocités que nous cessons de décrier depuis plus de 20 ans. Il n'est donc plus acceptable que mon pays, le Congo, continue d'être indéfiniment victime de la convoitise de ses immenses ressources naturelles. Cependant, à travers des partenariats gagnant-gagnant, la RDC s'engage à apporter sa contribution à toute action visant la mise en valeur de ses ressources naturelles pour le bien-être de l'Afrique et du reste du monde. Voilà, Excellences, Monsieur le Président, je remercie l'Assemblée de avant. أشكر فخامة الرئيس فيليكس رئيس الكونغو الديمقراطية والآن أدعو السيدة ميناتا سامات مفوضة الشؤون السياسية إلى عرض أبرز الاستخلاصات التي انتهت إليها مداولات السادة وزراء الخارجية في هذا الصدد. Je vous remercie, Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies. Excellence, Messieurs les chefs d'État. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, distingués invités. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, j'ai l'agréable honneur de prendre la parole au niveau de la Commission de l'Union africaine après l'élection de votre Excellence, Monsieur le Président de la Conférence. Vous me permettrez de vous saluer et de vous féliciter, Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah
El-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et également féliciter l'ensemble des membres du bureau élus aujourd'hui. Je saisis la même occasion pour féliciter son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La situation humanitaire en Afrique reste préoccupante malgré quelques progrès. L'ampleur et la complexité des déplacements forcés et des situations humanitaires prolongées continuent de rendre difficile la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies. Les causes des déplacements forcés et des crises humanitaires sont principalement les conflits, le terrorisme et l'extrémisme violent, les déficits de gouvernance, la violation des droits de l'homme, la dégradation de l'environnement, les conséquences incontrôlées de l'exploitation de certaines ressources minières, les effets de la sécheresse et des changements climatiques et les catastrophes naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, préoccupés par cette situation, votre 31e sommet tenu en juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, a déclaré l'année 2019 année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes vers une solution durable aux déplacements forcés en Afrique. Votre décision historique, et vous l'avez signalé, Excellence, Monsieur le Président de la Conférence, revêt une double signification. Elle marque le 50e anniversaire de la Convention de l'OIA de 1969 régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique. Elle coïncide également avec le 10e anniversaire de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées. En application de votre décision de Nouakchott, la Commission a élaboré et proposé aux États membres une note conceptuelle et une feuille de route que nous avons appelée Projet 2019 pour la mise en œuvre du thème de l'année 2019. Ces deux textes, qui s'appuient sur les nobles objectifs de l'agenda 2063 et de la position commune africaine sur l'efficacité humanitaire, ont fait l'objet de discussions approfondies lors des consultations avec les États membres, les organes de l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le Conseil exécutif les a examinés et proposé à votre auguste Assemblée une déclaration qui est le fruit d'une longue réflexion sur le thème de l'année. C'est donc un agréable devoir et un insigne honneur pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, pour présenter cette déclaration. Parlant de la déclaration, le préambule rappelle votre engagement, Excellences, Messieurs les chefs d'État, votre engagement à œuvrer pour la réalisation des nobles objectifs de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, en s'attaquant aux causes profondes et structurelles du déplacement forcé et en mettant en œuvre des solutions durables aux crises humanitaires. Le dispositif de cette déclaration s'appuie sur les nobles objectifs de l'agenda 2063 et s'articule autour d'objectifs prioritaires ci-après. S'attaquer particulièrement aux causes profondes des crises humanitaires, notamment par la prévention des crises et la résolution des conflits, tout en incluant également les femmes. Il s'agit de poursuivre sans relance le programme phare de l'Union africaine qui est de faire taire les armes d'ici l'année 2020. Il s'agit aussi de trouver des solutions durables aux déplacements forcés sur le continent africain. Quelque chose aussi qui est revenu, c'est la nécessité de combattre l'apatridie, parce que plus de 712 000 Africains sont apatrides et sont exposés à toute forme de violation et d'exploitation. Il importe également de trouver une solution durable à cette question de l'apatridie.
Il a été également relevé la nécessité de travailler à bâtir la résilience des populations face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques. À court terme, des moyens devront être trouvés pour assurer l'éducation des enfants réfugiés, rapatriés et déplacés, dont 12,6 millions sont privés d'éducation dans les zones de conflit. Il s'agit aussi d'accorder une priorité aux filles et aux femmes qui, du fait de leur vulnérabilité, subissent plus durement les effets du phénomène du déplacement forcé. Mobiliser aussi les ressources permettant de s'attaquer aux causes profondes des déplacements forcés sur le continent. Apporter une assistance aux États membres qui accueillent les réfugiés. Ces pays, malgré leurs ressources limitées, font preuve de solidarité exemplaire à l'égard des réfugiés africains. Il a été également retenu d'opérationnaliser l'agence humanitaire. La Commission de l'Union africaine poursuit ses efforts afin d'accélérer cette opérationnalisation. L'Afrique se doit de renforcer sa présence et sa contribution à la résolution des crises humanitaires sur le continent. Un consultant est à l'œuvre et très prochainement, les documents relatifs à cette agence seront soumis aux organes délibérants de l'Union africaine. Mesdames et messieurs les chefs d'État, la signature et la ratification et surtout la domestication des deux principaux instruments concernant les réfugiés a également été retenue. Nous avons encore 9 pays qui n'ont pas encore ratifié ces différents instruments. Il s'agit aussi de renforcer la coordination et les synergies entre l'action humanitaire de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, des mécanismes régionaux et des initiatives mondiales pour renforcer l'efficacité de l'action humanitaire. Diverses activités seront menées au niveau des États membres, des communautés économiques, de la Commission et des organes de l'Union africaine. Pour réaliser ces nobles objectifs, votre conférence a désigné Son Excellence M. Obiang Teodoro Nguema Mbasoko comme champion du thème. Nous pouvons assurer le nouveau champion de la coopération de la Commission de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le Président de la conférence, Mesdames et Messieurs, telle est la substance de la déclaration issue du débat sur la note conceptuelle et la feuille de route concernant le thème que nous soumettons à votre auguste assemblée. Je vous remercie pour votre aimable attention.